Qu'est-ce que cache une image ? On accorde depuis longtemps à l'image un pouvoir démesuré. Le pouvoir de fixer quelque chose, et donc de contrôler cette chose. Contrôler l'image, c'est contrôler ce qu'elle représente. Why would you possibly want to act in a play when you can act in a film? A theatrical audience gives me life, while this thing merely takes it from me. Dans L'ombre du vampire, cette actrice exprime une véritable inquiétude. Avec une image, avec une caméra, le moment capturé ne peut plus être réinventé. Il ne peut qu'être contemplé de façon mortifère. Si l'image est fixée, son modèle n'a plus de réel sens à exister. Sa vie, son moment, ont été aspirés. Pour le metteur en scène, il s'agit de rendre ce moment immortel. Mais pour l'actrice, l'image ne contient au contraire que des fantômes. Si l'image possède un pouvoir, fatalement, une peur apparaît. Que quelqu'un puisse y cacher quelque chose qui ne devrait pas être. Quelque chose qui va actionner en nous des mécanismes secrets. Réalisé par Hideo Nakata en 1998, Ringu raconte comment le fantôme d'une jeune femme malmenée, Sadako, a fixé sa rancœur sur un petit film étrange. Un film dont la cassette, devenue une légende urbaine, passe sous le manteau, promettant à quiconque s'expose à ces images une mort foudroyante une semaine plus tard. Des images qu'on découvrira en même temps que l'héroïne. Alors que le parfum de fin de millénaire excitait les esprits, Ringu a fixé toute une esthétique du film maudit dans l'imaginaire du grand public. Des altérations d'images à la limite du perceptible, des motifs subliminaux, des sonorités irréelles et corrompues, granuleux jusqu'à l'écœurement, n'ayant pas d'âge clairement défini et nous assénant une suite de visions inexplicables, le film évoque une dimension intangible. Et les sautes d'images nous plongent encore plus dans cette temporalité déréglée. Tout évoque un ailleurs total.
Cercle, remake américain par Gore Verbinski, passera malgré ses qualités à côté de ce vertige de l'ailleurs. En voulant esthétiser la VHS à coup de travelling et de ralenti, Verbinski la rend beaucoup trop propre, trop fluide, ressemblant à une simple vidéo expérimentale. Les effets numériques, aussi efficaces soient-ils pour l'époque, offrent l'artifice sur un plateau. Le film maudit, c'est l'idée d'une image en fait morte vivante. Une image qui a capté un envers interdit. Une image habitée par la mort, mais qui refuse pourtant de mourir, et dont la puissance d'être finit par consumer l'âme. There's something I can't quite understand. Something mystic about it. Mystic? I don't know how to explain it, but whenever Dorian poses for me, it seems as if a power outside myself were guiding my hand. As if the painting had a life of its own, independent of me. L'idée d'œuvre maudite est ancienne, bien sûr. L'œuvre qui enivre l'esprit, qui cache le vice. Mais le cinéma l'a branché sur le collectif. Un collectif de plus en plus tentaculaire. Pour beaucoup, les films maudits sont juste synonymes de malchance. Des tournages qui sont entourés d'événements insolites ou tragiques et qui donnent naissance à des légendes urbaines. The Omen. Poltergeist. The Exorcist. Mais concernant le vrai film maudit, celui qui nous intéresse ici, celui qui est pensé comme tel, il joue avant tout sur cette pulsion qu'on a de voir. Trop. C'est pour ça que narrativement, il est souvent recherché par un personnage bien trop curieux. Par fascination ou par scepticisme, il choisit de s'exposer aux images. Dans Cigarette Burns, le 8e épisode réalisé par John Carpenter de la série Les Maîtres de l'Horreur, un expert en films rares va partir en quête de la fin absolue du monde. La fin absolue du monde. Une œuvre damnée par la torture d'un véritable ange à l'écran. Les quelques aperçus qu'on a du film maudit souffrent d'une esthétique clipesque assez datée et assez maladroite. Mais les mêmes codes visuels que Ringu sont bien là. Distorsion de l'image, noir et blanc crapuleux, sensation que les images ont été volées plus que consenties. Et Carpenter a l'intelligence de nous montrer la fin absolue du monde, surtout par fragments, depuis la salle dans laquelle sont assis les personnages. Bien sûr, c'est une manière d'en atténuer les défauts évidents, mais aussi de donner la sensation confuse que si on a survécu au visionnage, c'est parce qu'on a vu l'écran dans l'écran, le film dilué dans le film. Ce qui nous protège, c'est la fiction. En 2018 sort Antrum, écrit et réalisé par David Amito et Michael Lassigny. Le film commence et finit comme un faux documentaire, évoquant un mystérieux film, Antrum donc, qui aurait tourné dans le circuit des festivals en 79 avant de disparaître, laissant dans son sillage des phénomènes inexplicables. Toutefois, l'aspect documentaire s'évapore assez vite, et on se retrouve alors placé dans le rôle habituellement tenu par les personnages de fiction. Antrum va nous être montré à nos risques et périls. Un film qui suit un frère et une sœur qui fricotent avec l'occulte et libère des entités nuisibles. From all we'll hear and touch and smell. Toute la grammaire du film maudit est bien sûr là. Tout évoque une présence qui hante l'œuvre. Symbole subliminant. Motif mystérieux. Cadence d'image et fréquence sonore étrange. Antrum est bien entendu une fiction, mais il essaye de casser cette sensation en nous prenant directement à partie. And supposedly, certain frequencies, if they're loud enough, can even cause you to have a nervous breakdown. It is a psychosomatic response. Et au-delà de quelques saillies assez kitsch, le film arrive à créer une atmosphère lugubre. Mais en exploitant les gimmicks du film maudit sur la durée d'un long métrage, des gimmicks que l'on finit par connaître par cœur, petit à petit malgré lui, eh bien il les désamorce,
parce qu'il laisse le temps à l'esprit de rationaliser, retourner dans le refuge de la fiction. La leçon est claire. Le film maudit est un mouvement, un sentiment flottant. So let's get underway. Yeah. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Dans les années 2010, les internautes se sont mis à appeler certains visuels des « cursed images », littéralement des images maudites. Des visuels qui dégagent une bizarrerie malaisante. Des visuels de toutes sortes, de toutes provenances. Photographies, bouts de films, publicités, projets d'art ou encore vidéos d'amateurs. Qu'ils soient réels ou fabriqués, qu'ils soient intentionnellement glauques ou non, reste que la quasi-absence de contexte en ligne leur donne un surplus d'étrangeté. Alors que les films maudits de cinéma restent finalement assez peu répandus, comme si l'ombre de Ringu était trop encombrante, les images maudites ont trouvé sur Internet une nouvelle dimension. Au milieu de l'anonymat, du manque de repères, dans le flot numérique qui brouille absolument tout, le vrai et le faux finissent par se noyer l'un dans l'autre. Et l'image maudite s'en nourrit, créant légende urbaine sur légende urbaine. Elle est sur tous les écrans, rendue encore plus troublante par l'absence d'origine claire. Et même expliquée, même décortiquée, son aura faiblit étonnamment peu, parce qu'elle reste avant tout fragmentaire, insaisissable. L'image maudite ne peut plus vraiment aujourd'hui concerner une simple malédiction ponctuelle. Non, elle se déploie dans quelque chose de forcément beaucoup plus vaste, dans tout notre rapport frénétique aux images qui est devenu hors de contrôle. Je crois qu'aujourd'hui, tout le développement de la technologie des télécommunications, au lieu de restreindre l'espace des fantômes, comme on pourrait le penser. On pourrait penser que la science, aujourd'hui la technique, laisse derrière eux l'époque des fantômes, qui était l'époque des manoirs, d'une certaine technologie de fruste, enfin d'une certaine époque périmée. Alors que je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication, et décuple le pouvoir des fantômes, le retour des fantômes. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Certaines de ces images relèvent de l'occulte, bien sûr. Mais pour beaucoup d'autres, plus que l'étrange, c'est leur quasi-normalité qui les rend d'autant plus menaçantes. Lotte no candy. Koume-chan ! Cette zone de remous où le rire et la terreur cohabitent. Une musique ralentie, un sourire trop insistant, une référence innocente détournée, et les coutures inquiétantes du quotidien apparaissent. Maudit devient alors un sentiment en creux. Avoir réussi à lire entre les lignes et à comprendre à quel point l'être humain est étranger à lui-même. L'ailleurs, il est là. En 1989 apparaissent à la télévision française des sortes de cursed images avant l'heure. Ce document nous a été transmis par et pourrait gravement remettre en cause les relations que nous entretenons avec. Réalisé par Jean-Teddy Philippe, Les documents interdits est un film découpé en 13 segments. Plongé dans un grain sale et pâteux, chacun se focalise sur une thématique surnaturelle différente, à partir d'images qui semblent tourner sur le vif. Je voudrais que vous restiez face à cette image comme nous le sommes restés.
D'abord diffusés à la télévision à la fin des années 80 sans réel contexte, les faisant passer pour de vrais documentaires, les documents interdits continuent à perturber. Même en connaissant la supercherie, en sachant que c'est une fiction de bout en bout, ils n'ont l'air d'avoir aucune origine clairement définie. La maison n'était plus là, mais sa propriétaire, la Bruja, la sorcière, était assise sur sa chaise. D'où viennent ces images? Est-ce qu'elles ont toutes été tournées par Philippe lui-même? Ou est-ce qu'elles sont mélangées avec de vraies archives? Qui sont ces gens? Où sont-ils maintenant? Des bouts de vérité se sont-ils glissés dans la fiction? Ici, pas de bruitage, pas de musique ou d'effet de manche. Rien qui pourrait permettre le recul et identifier l'expérience comme fictionnelle. Tous les signaux se retrouvent brouillés. La voix off évoque l'idée d'une adaptation à la va-vite, tout droit sortie d'un circuit de distribution incertain. 12 décembre. Tôt ce matin, deux silhouettes sont apparues. Au moment où j'ai vu Miguel sur le rocher, il m'a murmuré « Le temps n'est qu'une illusion ». Je me suis tourné vers lui, mais il n'était plus là. Pas de malédiction prémâchée, donc. Mais quelque part, un écho qui ne se dissipe pas. L'écho de certains films, de certaines images qui rampent sous la peau. La conviction instinctive qu'au-delà des frontières du film, une transgression inonde chaque image. Pourquoi la VHS de Ringu tue? Tout simplement parce qu'on finit par y croire. Après une semaine de sursis où le doute prend forme et parasite le système. C'est bien la peur qui invoque Sadako. L'image elle-même n'est pas ce qui est maudit. L'image est simplement ce qui transmet l'idée. Et une fois que l'idée est plantée, son effet devient la chose la plus réelle qui soit. Derrière le sourire incrédule, deux mots continuent à flotter. Est-ce que vous le savez vraiment? Est-ce que vous savez ce que veulent les images ?